Et salut à tous et toutes et bienvenue sur frappstesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe Solus de Duke Nukem Forever sur Xbox 360. Et nous sommes actuellement dans une machine que nous allons devoir traverser. Donc rien de bien compliqué à tout cela. Hein. C'est parti. Donc en fait nous sommes arrivés au Overdam et nous sommes en train de nous déplacer dans les différentes salles de celui-ci afin de pouvoir rejoindre le général Graves. Donc, je tiens à vous le dire, quand même, nous sommes tout petits, c'est pour ça que nous pouvons nous balader dans la machine. Ah, loupé. Bon, espérons que je ferai moins la quiche que dans la vidéo précédente. On va bien voir ce que ça va donner de toute façon. Alors, ici, vous avez une sorte de fusible juste au-dessus. Il suffit de taper dessus ou de tirer une balle dedans pour pouvoir l'arrêter. Et là, j'adore l'effet de chaleur, on a vraiment l'impression de se retrouver dans une fournaise, quoi. Allez, c'est parti. Donc c'est un passage qui n'est pas des plus simples, en particulier à cause des mouvements des rouages et du visuel qui est un petit peu déformé, même beaucoup même, je dirais, c'est assez particulier. Bref, voilà, là c'est là que ça devient compliqué dans le sens où il faut réussir à passer correctement dans un truc sans se casser la figure, chose que je viens de faire. Alors c'est pas évident. Je me loupe souvent, en particulier parce que je n'y vois pas grand-chose. Allez, celui-là. Non, raté. Là. Wouhou! Presque. Bon, on va rester dedans du coup, parce que je me suis loupé au niveau du saut. Je sais un petit peu comme dans les jeux de combat, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'appuie le plus souvent possible. Je sais pas où je suis là. D'accord, je suis là. C'est bon, j'ai réussi à passer. Wouhou! Voilà, j'ai passé le plus compliqué, je crois. Voilà, au moins je me sens plus tranquille ici. Donc pour vous montrer un petit peu le chemin que l'on a fait, on est passé sur ces rouages là. Donc bien sûr ici, il faut faire attention de ne pas se faire écraser par les différentes parties là, les espèces de pistons. Je me suis dit que c'était limite là. Et voilà le dernier. Et voilà. Duke 1, machine 0. Yeah baby, yeah. Voilà ce qui s'appelle faire du vide. On continue. Alors, où suis-je? Faut que je me repère. C'est par là, il me semble. Donc, nous ne pouvons pas bien sûr activer la poignée de cette porte, nous allons devoir passer par-dessus. Donc, petit détour par là. Et on va jusqu'à la tuyauterie qui va nous permettre de monter plus haut. Enfin, en même temps, si on monte, forcément, c'est plus haut. Bonjour, mes chéris. Non, pas si près, s'il vous plaît. Oula. Il y a eu une sorte de mini coupure, j'ai pas compris tout ce qui s'était passé. Donc nous ne sommes pas assez grands pour ouvrir les casiers hein, pour le moment. Alors lui, si je pouvais le bouger, ça m'arrangerait beaucoup, mais malheureusement on n'y arrivera pas. Et qu'est-ce que j'ai comme arme? Fusil à pompe. Et cela, ça devrait être bon. Bref, on y va, on active le bouton. Et c'est parti. Là par contre, voilà, on va en baver. Est-ce qu'on a plein de petits amis qui débarquent? Il est où le suivant? Voilà, la meilleure arme pour éviter d'utiliser les balles, ça reste encore notre point. Voilà, tournez en rond et normalement il ne devrait pas pouvoir vous toucher. Ou du moins pas souvent. Mince. Je me trompe de touche. Voilà, alors je ne sais plus s'il y en a d'autres qui arrivent, on va vite le savoir de toute manière. Non, il y a lui qui arrive. Et lui il est grand. Et c'est pas notre pote. Salut toi.
Et je vous laisse imaginer que ça fait mal. Alors là, la meilleure technique, c'est de tourner autour de ce truc, en essayant d'éviter celui-ci là-haut. Alors le problème, c'est que le cadavre nous gêne beaucoup. Alors il va essayer de vous marcher dessus, voilà, comme ceci. Voilà, et le but du jeu, bien sûr, c'est de réussir à le destroy. Ah, je suis toujours aussi coincé par ce cadavre, qui est très désagréable, ma foi. Et dès qu'il a l'occasion de vous tirer dessus, il le fait, hein, il va pas gêner pour le faire. Ouch, et ça fait mal. Mais virez-moi ce cadavre, il sert à rien là. T'as un cadeau. Viens me voir. Yeah. Non. Raté. Je voulais essayer de lui envoyer en pleine figure, mais il a cassé la lampe, c'est tout ce qu'il a réussi à faire. Encore coincé dans le... Raté. Raté. Allez, viens, mon gros. Et voilà, dans les dents, mon ami, t'as souffert, hein? Alors par contre, je ne sais pas du tout comment on peut faire pour récupérer l'élément qu'il y a là-bas. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a une arme qui est placée là-haut, mais je n'ai jamais réussi à la récupérer. Alors allez comprendre comment on fait, hein. Je ne sais pas, c'est bizarre. Bref, alors normalement, je vais pouvoir récupérer quelques munitions auprès du soldat mort, là, si ce n'est pas déjà fait. Ouais, bah, j'avais déjà dû récupérer ce qu'il y avait autour. Hein. Tant pis. Alors j'avais essayé tout un tas de trucs pour éviter qu'il sorte de l'ascenseur. Notamment déplacer les parpaings. Il y a des sortes de... Comment on appelle ça? Je sais plus. Ces trucs en bois là qui servent pour tenir certains meubles, etc. Bref, je sais plus. Bref, j'avais essayé de tout déplacer devant l'ascenseur histoire de faire barrage, plus ou moins. Toujours est-il qu'il est passé à l'aise par-dessus. Ah, bonjour toi. Pour la peine, je vais utiliser les balles. Bon, je vous laisse imaginer que cette interaction nous a permis, enfin, ce débarquement d'aliens nous a permis de nous créer une sorte de nouveau chemin à parcourir, histoire que l'on puisse arriver jusqu'au bouton de l'ascenseur. Donc je ne sais plus s'il y a un temps de chargement ou pas là. Apparemment, c'est le cas. Donc comme d'habitude, je vous le coupe et on se retrouve juste après. À tout de suite. Oh, le chariot élévateur. Et le temps de chargement étant terminé, on peut repartir. Oh, je suis tout petit. Toc, toc, toc. J'aime bien ce que il n'y a pas qu'une seule animation. Oh, les pauvres. Attention, dentiste. Bon là, il nous faut casser la caisse pour pouvoir continuer à avancer et rejoindre le plus rapidement possible. Enfin, façon de parler que ça sert à rien. Le truc qui nous fait grandir. D'ailleurs, ça fait trop bizarre. À cet endroit-là bien précis, ça m'a toujours donné la même impression. C'est-à-dire qu'on grandit et on a l'impression de se déplacer. C'est pas qu'une impression d'aller beaucoup plus vite. Et du coup, ça fait bizarre quand on a passé beaucoup de temps en étant petit. Il va nous falloir aller par là-bas. Par ici, vous avez une petite caisse pour récupérer des explosifs. Ouais, je sais. Et là, juste là, vous avez normalement le dernier objet d'Ego. Et j'ai dû me louper quelque part parce que on n'a pas débloqué le succès. Et ça, c'est pas cool. Et je ne vois pas lequel j'ai pu oublier. Ah non, je suis bête. Et les suivants. En fait, on a ramassé ici tous les éléments d'ego qui doivent être débloqués. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus rien à activer. Par contre, pour avoir le succès des égos, des points d'ego, hein, il faut. Parce que moi, quand j'ai recommencé ma partie, j'en avais oublié un ou deux. Hein, c'est-à-dire que je vous laisse imaginer que je m'entraîne avant de filmer, même si ça ne se voit pas toujours, hein, et que je prends note des objets d'ego à récupérer. Et la dernière fois que j'ai débloqué le succès, en fait, j'avais déjà terminé le jeu une première fois.
et c'était ce dernier élément qui me restait à ramasser. Et c'est effectivement le dernier élément, c'est le seul que j'avais loupé, c'est le dernier élément que l'on doit ramasser pour débloquer le succès en fait, lorsque nous avons déjà terminé l'aventure. Mais nous aurons le succès lorsque j'aurai terminé le jeu, tout simplement, ou que nous aurons récupéré le dernier point d'ego, qui se débloque automatiquement au fur et à mesure de l'aventure, comme par exemple lorsqu'on tue un boss, etc. Hop là, nous activons l'électricité. Donc sachez que, comme je disais, ce magazine est le dernier élément d'ego à ramasser. Enfin, qui donne de l'ego qui est à ramasser. Bref, voilà. Donc par contre, il nous reste quelques téléphones à voir. Hein. Et quand vous remarquez que c'est passé au-dessus de vos yeux, vous pouvez arrêter. Inutile de faire monter la porte jusqu'en haut, c'est du temps perdu. Hein. Oh, le Hoover Dam! Donc là, inutile de passer par ici, il n'y a rien à voir. Là, il va falloir faire gaffe. Alors là, regardez bien. Faut suivre le point. Voilà. Ah, je suis allé trop tôt. Mais bon, en gros, vous pouvez vous fier aux différentes. Comment dire? Aux différentes apparitions, aux différents dégâts qu'il peut y avoir sur le mur. Ça y est, je m'y retrouve. Vous voyez, on peut savoir à peu près où s'arrête et où vont repartir les différents arcs électriques. Donc bon, là, j'y joue un petit peu l'idiot. Hein, vous l'avez remarqué. Oh, quelle jolie vue. On descend. Oui, je ne me suis pas cassé la tête pour descendre. Hein. Utiliser l'échelle est une perte de temps ici. Prêt? Ouch! Ouch! En moins. Ouch, dès qu'on vise, on peut pas être bien. Viens là, toi. Ouh, je l'ai eu. C'était limite, mais je l'ai eu. Donc, on va pouvoir continuer à avancer. Pourquoi je casse toutes les caisses hein, pour le plaisir. Bref. Donc vous avez les échelles hein, au cas où vous passez par-dessus bord. C'est toujours intéressant de pouvoir passer au moins par-dessus bord parce qu'on se dit qu'ils auraient pu mettre un mur invisible pour nous empêcher de tomber à l'eau. Mais ils ne l'ont pas fait, donc on pourra les remercier pour cette chose-là. Donc là, un conseil, récupérer le Raigun, ça peut toujours vous servir. Mince. Je voulais pas tirer là en fait, mais ça a tiré quand même. Non mais viens là toi. Bon méchant, c'est moi qui tiens le flingue. Allez, je vais récupérer ça. Là, ils vont arriver. Voilà, profitez-en le temps qu'ils sont concentrés sur votre Holoduke pour leur faire découvrir ce que c'est que d'avoir mal. Voilà, mais évitez tout de même d'utiliser toute votre méga puissance dans le sens où voilà l'Octoking. Alors là, petit conseil. Ah, il s'est protégé, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres munitions dans le coin. Donc ce que nous allons faire, c'est essayer de le terminer comme ça. Voilà, ces boules font bien moins balles. Sinon vous avez la possibilité d'éviter ces coups aussi et de vous rendre plus résistant grâce à la bière.
Oh, quelle blague ultime! Voilà, donc je vais essayer de récupérer mon arme de base. Alors je ne sais plus où est-ce que l'on va après. Est-ce qu'il... Ok, vas-y, ouvre. Oh non! Un porc-flic juste derrière! Non mais voilà, le truc c'est que, ben au final, cette partie est assez compliquée lorsque vous n'avez pas l'Holoduc. Dans le sens où vous ne pouvez pas distraire l'attention de vos ennemis là, les octo, je sais plus comment on dit. Bref, j'allais dire octopussy, mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est une blague qu'il sort à un moment par rapport à James Bond, mais bon, c'est. Je sais plus quand est-ce qu'il la sort justement cette blague. Voilà, les octo. Je sais plus. Bref, voilà. En gros, ils font quand même pas mal de dégâts, ce qui peut vous balancer pas mal de tonneaux et ça fait vraiment mal. Bref, on y va. Et nous allons avoir droit, encore une fois, à un temps de chargement. Donc on se retrouve, comme toujours, juste après ce dernier. A tout de suite. Et on repart, vu que le temps de chargement est terminé. Et là, faudrait, je pense à mettre des transitions de temps en temps pour éviter que ça fasse trop coupure. Bref, on s'en fiche. Bon, bah c'est pas tout, on commence par descendre tout ça. Le temps que les textures se chargent. Alors, est-ce qu'on va en avoir besoin de ce petit véhicule? Alors, juste histoire de vous le montrer, hein, mais cela ne sert absolument à rien pour ceux qui n'aiment pas ce type d'armes comme moi, vous avez de quoi récupérer un rayon gelant juste ici. Mais rien de plus, il me semble, non. Donc on va pouvoir y aller. Vroom vroom. Donc, comble de la possibilité géante, hein, vous pouvez utiliser le chariot élévateur, heureusement. D'ailleurs, vous remarquerez que Duke est assis bien bizarrement. Bref. Ah, j'en ai raté un. Excusez-moi. Voilà. Eh. Y a pas de raison que t'aies pas ton droit toi aussi. Enfin que t'y aies pas droit plutôt. Donc là pareil, vous avez juste de quoi récupérer des éléments explosifs, hein, grenades ou mines. Ah, j'ai eu de la chance. C'était les mines, hein. Souvent je tombe sur des grenades ici. Et comme toujours, j'ai besoin de mines et pas de grenades. Parce que bien souvent vos ennemis porcoflics en laissent, hein, des grenades artisanales. Coucou. Coucou. Non, te bouge pas toi. Oh. Aïe, si on n'y va pas assez fort, ils survivent. T'as le bonjour de Rio. Et on va tuer 6 aliens avec le chariot élévateur. Bon bah ça c'est fait. Attention, je ne fais que passer, s'il vous plaît. Attends. Oh, pardon monsieur, je suis vraiment désolé. Oh bah c'est bon. Alors en fait, ce chariot-là que nous avons pris, comme tu dis, ouais, va nous permettre de monter de plateforme en plateforme. On va voir un petit peu en arrière, s'ils n'ont pas laissé des choses intéressantes, ce qui m'étonnerait. Ou apparemment, ça devrait le faire comme ça. Donc on monte. Encore des munitions de fusil à pompe, bien pratique tout ça. Et on y va. Alors je ne sais plus trop ce qu'il y a par ici. Ah si, la salle va être bien bien remplie là. Allez, on va essayer de s'y faire. Donc comme vous pouvez le voir, il fait tout noir. Et il y a une salle qui est illuminée. Donc ça veut dire que c'est par là que nous devons passer. On pourrait aussi essayer d'activer la machine qui est là, toujours est-il que le manque d'électricité l'empêche, nous empêche de le faire. Donc on va pouvoir avancer par là. On va d'ailleurs déjà en profiter pour placer une ou deux mines. Voilà. Ici on va pouvoir récupérer des munitions. Voilà. Dans le placard qu'il y a en face, vous avez les stéroïdes, si jamais cela vous intéresse. Nous y sommes. Encore un calendrier, mais je vous le rappelle que nous en avons déjà regardé. Oh, les textures se sont mieux chargées.
Ouais, une fois sur deux quand même, hein. Bref, et on va réactiver l'électricité. C'est parti. Oh! Viens là, mon cochon. Venez jusqu'à moi. Un moins. Suivant. Ah non, c'est pas chez moi que ça peut. Lève-la, à mon avis. Fallait s'avancer un petit peu pour qu'ils arrivent. Ou pas, mais ils sont quand même censés me rejoindre là. Lève-la. Bon, normalement ils arrivent toujours, hein, mais comme on sait bien, le syndrome du fumeur fait des siennes. Allez, venez quoi. Allez, viens, viens. Ouais. Bon, il y en a un, ça a pas du tout fonctionné. J'aurais dû la placer plus à droite, celle-ci. Ah si, il y a une autre petite porte par là. Hein, si jamais vous êtes en manque de munitions pour quoi que ce soit. Oh, un holoduc. D'accord. Je savais même plus qu'il y en avait un ici. Coucou. Oula. Ah. Oui. Faut gaffe que tout dessus aussi y en a. Allez, il vous en balance à toc. Ouh. Voilà. Ça permet de faire un petit peu de vide, même si ce n'est pas extraordinaire. Il y a toujours quelques-uns là-haut, là. Qui balancent toujours des grenades. Voilà, un en moins. Suivant. Enfin, un petit peu de vide, hein. Descendez, s'il vous plaît, merci. Suivant. N'empêche, vous l'aurez vu encore une fois, hein, les décors sont quand même bien destructibles. On a fait de sacrés gros dégâts par ici. You. Bah alors, venez. Voilà. Bon, je vais voir si je peux me trouver quelques grenades supplémentaires par ici. Rien là. Rien non plus ici. Bon, par contre, je sais qu'il y en a là-haut. On va éviter de marcher sur la mine, si possible. Voilà, normalement, dans ce casier-là, il y en a. Avec des stéroïdes. Il y en a encore au-dessus, là ? Le truc, c'est qu'ils ne se font pas péter avec leurs propres grenades. Et ça, c'est pas cool. Voilà, lui je l'ai eu. On va essayer d'avoir ceux qui sont un peu plus loin avec ça. Oh, toi je t'ai pas eu là. Attendez, bougez plus, je suis là pour vous, rien que pour vous. Et voilà. Plus qu'un, s'il vous plaît. Le gros avec ton lance-roquette, là. Je t'ai vu. Oh, 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 oh. Toi, viens par là aussi. Je t'attends. Viens faire bisous. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Viens à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche.
des fleurs et des lanternes pour que tes nuits soient douces. Voilà, bloqué en plein vol. Alors, fais-moi mon ami Los Roquette, là. Oh, une roquette. Que j'ai bien vu arriver en face, là. Viens par là, s'il te plaît, j'ai besoin de ta tête. Ah, mince. Reviens. Raté. Je tire vraiment comme une quiche, là. Mais vraiment comme une quiche. Voilà, il lui faut 2 balles à lui, je crois. Et là, on va vraiment s'éloigner. Normalement, c'est bon, nous en avons terminé. Donc, je vais reprendre mon fusil à pompe. La porte par laquelle nous sommes arrivés s'est refermée sur un porcoflix, ce que je trouve génial. D'abord, nous allons faire descendre l'ascenseur qui est juste là. Descendre. Et vous allez comprendre pourquoi il y a encore une fois un chariot élévateur. Voilà, la porte se bloque ici, nous ne pouvons pas faire descendre l'ascenseur plus bas. Ici, c'est fermé. Hein, c'est la zone où nous étions juste auparavant. Et on va du coup devoir passer par le chariot élévateur pour pouvoir continuer notre aventure. Et il faudrait peut-être d'ailleurs que je pense arrêter la vidéo, je ne sais pas depuis quand je filme. Faut que je fasse gaffe à ça. On va essayer avec ça pour voir si ça passe. Je pense que je me suis très très mal placé. Mais ça passe. Nickel. Voilà, vous avez un toc de munitions. Ça se voit qu'on les a tous éliminés au même endroit. Caché. Et je crois qu'il va me falloir prendre l'ascenseur. On y va. Oh. Super. J'aime bien ce qu'il a posé le pouce, tout sauf, enfin partout sauf là où il fallait poser le pouce quoi. Waouh, mais décidément je suis pas en forme. C'est pas chaud hein. Pour voir qu'on en était. Et un temps de chargement pour nous faire plaisir. Donc comme d'habitude, je vous coupe ce temps de chargement et on se retrouve juste après. A tout de suite. Oups, excusez-moi, j'ai oublié de relancer la vidéo. Je faisais autre chose, je me suis pas eu dans ce que je faisais, bref. Voilà. Heureusement, je l'ai remarqué avant de continuer. Oh. Donc on commence directement par aller à notre droite. Nous avons quelques munitions à récupérer dans le meilleur des cas. Ici c'est fermé, puisque c'est un autre ascenseur. Et par contre, juste ici, nous avons un nouveau téléphone ou un nouveau répondeur à écouter. Fin du message. Oh, une grande salle avec un beau drapeau américain. D'ailleurs, il serait pas posé un petit peu à l'envers, le drapeau, là. Et à côté, il y a quoi? Une grue, ok. Welcome to Hoover Dam. Encore un qui s'est laissé avoir. C'est dangereux, les canettes, dangereux. Oh, General Graves. Duke, par Dieu tout-puissant, tu es là. Le président n'a toujours pas donné l'ordre de riposter ou de nous défendre contre leurs attaques. J'ai beau me dire que l'empereur cycloïde lui a niqué le cerveau. Très pratique. Je crois qu'en fait, c'est simplement le stress de l'invasion qui lui a fait péter les plombs. Il a vraiment perdu les pédales. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que nos ingénieurs pensent que si tu coupes l'alimentation du barrage, le portail se refermera. Nos troupes n'ont pas pu avancer assez loin dans la zone infestée, mais toi, t'en es capable. L'Amérique compte sur toi, Duke.
L'Amérique, ouais, cool. D'accord. Oups, pardon monsieur, je suis désolé, je savais pas que vous étiez derrière la porte. D'ailleurs, vous avez un problème avec votre œil, je sais pas si... Serait-ce une belle référence à Double Face ou... Ouais, ça m'y ferait bien un peu penser quand même, hein. Oh, je te vois. Bon, c'est pas tout ça, mais on y va. Banzai! Donc là, inutile de vous embêter avec l'électricité, vous passez dans le coin, sans vous faire exploser par ces espèces de machins qui n'auraient jamais dû péter. Normalement, je passe sans aucun problème ici, sauf que je voulais aller un peu plus vite pour faire le malin, et voilà ce qui arrive quand on essaie d'aller plus vite pour faire le malin. Encore des stéroïdes, ça peut être bien pratique. On passe par là. On monte. Et nous devons activer la plateforme. Alors là, oh, ici c'est bon. Et cela devrait suffire. Félicitations. You lose. On remonte et on retente notre chance. Voilà, faites attention, comme toujours, vous avez des superbes bestioles. Non, mais oh. Bande de prégnateurs. Hop là, avant que tu sortes de ta coquille, toi. J'ai cru entendre un bruit. Donc là, il va falloir faire gaffe aussi. Alors, attends, on va redescendre. Voilà, c'est-à-dire que l'électricité tourne autour du truc, là, vous voyez. Donc il faut savoir après quand passer. Là bien sûr faut éviter de tomber. Là on continue. Salut toi. Oh. Je suis pas d'accord avec ça. Il y en a un autre normalement pas loin. Le voilà. Bonne nuit. Et là encore une fois faut faire gaffe à l'électricité. Inutile de partir sur la gauche, hein, ça vous ferait juste faire un tour. Nous devons... Enfin, sur la droite, je veux dire. Quand vous arrivez. Bonjour. C'est vous le drôle de type qui vient pour tout nettoyer? Je supporte pas les tentacules, moi non plus. Faut dire qu'esthétiquement, c'est nul. Comme tu le dis, oh, oui. Bah montez sur ma grue. Je vais vous faire passer de l'autre côté. Oh. Accrochez-vous bien. C'est haut, pas vrai, hein? Voilà, ça va se fermer ici. Oh, gamin ! Eh, j'ai quand même pas ralentir pour une tarlouche, non ? Alors, juste pour vous prévenir, en fait, sachez que cette zone bug très très souvent sur Xbox. C'est-à-dire que la grue se bloque et il ne se passe plus rien. Et cela arrive un peu trop souvent à mon goût. Mais tais-toi, toi ! Bien. Vous remarquerez que encore une fois nous avons référence au chiffre 69 dans les munitions du comment il s'appelle, Devastator. Vous avez de la bière en dessous. Donc comme je vous disais, j'ai fait cette partie, je pensais m'arrêter avant, auparavant. Hein, mais j'ai peur que cette partie bug dans la vidéo suivante. Donc je me dis, si jamais ça bug, je couperai ici. Si jamais ça bug pas, et ben, on s'arrêtera au prochain chargement. J'aime bien pouvoir leur tirer dessus comme ça. Attends, 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 on va jouer à la balle, attrape. Trop tôt. Ouais non c'est bon ça continue. Souvent ça bloque avant en fait. T'as l'air d'avoir des tripes. Voyons à quoi elle ressemble.
Vous êtes tous les suivants? Là-bas. Bouge plus, s'il te plaît. Belle journée pour une initiation. Suivant. Attrape. On a Atok de... Comment dire? Oups, pardon. Nous avons la chance d'avoir Atok de... De réserve de munitions, donc autant ne pas s'en priver. Ah, voici le... Oh oui. Alors lui, il faut attendre qu'il ait ses points de vie pour pouvoir l'attaquer. Attrape! Faut que je fasse gaffe là. Cadeau les mecs! Attrape! C'est bien, il l'amène directement à eux là. Donc pour l'instant, nous avons l'avantage d'être tranquille de ce côté-là. Oula, si lui il me renvoie mes roquettes, ça va pas le faire. Parce que je vous rappelle que eux vous renvoient vos roquettes. Bobo. On va récupérer des munitions et retourner se planquer vite fait. Je joue vraiment comme une quiche là. Hein. Ah mais carrément, il a démonté la grue sur le côté. Je suis désolé, hein, je me suis bien fait avoir là, bien correctement. Ça m'est déjà arrivé de mourir ici, bêtement, en me cachant là. C'est-à-dire qu'arrivé un moment où il a perdu assez de points de vie, l'Octoking tire sur la grue et détruit cette partie-là où nous pouvons nous protéger. Alors généralement, quand j'arrivais ici, j'avais un... Comment on appelle ça? Je vais me retrouver... Un Raigun, ce qui me permettait de me planquer quelque part et de viser directement les... Les octo machin chose là, je sais plus qu'on appelle ça. Octo cerveau, je sais plus. Ah pourquoi je vous ai laissé le temps de chargement? Ah bah c'est fini. L'avantage c'est qu'on reprend au bon endroit. Y a pas une autre arme là? Non. Ah si. Ça me plaît bien. Normalement on peut rester ici, on peut rester planqué ici indéfiniment. Hein. Même si lui là-bas il m'ennuie. Ouh ça c'est vraiment pas cool. Mais vraiment vraiment pas cool là. Ah, je pouvais pas recharger à temps.
Il en envoie toujours plus, de toute façon. Voilà, rappelez-vous que ces bestioles-là sont capables de repérer. Et là, les nouveaux déjà qui arrivent. Ah, il me faudrait un fusil à pompe. Je vais encore crever, hein. Non, c'est bon. Je trouve que ça a des boss les plus emmerdants du jeu, quoi. Voilà, parce que tant que ces trucs sont là, on ne peut pas faire grand chose contre lui. Et j'ai l'impression que les vidéos s'accumulent, donc je pense que je vais vous laisser ce boss pour la prochaine vidéo. Parce que sinon on ne va jamais s'en sortir en fait, hein, c'est ça le problème. Donc cette vidéo va s'arrêter ici, parce qu'elle commence à être assez longue à mon avis. Et par contre, dans la prochaine vidéo, on éclatera la tête de ce fichu boss. Voilà. Donc, j'espère quand même que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que la vidéo était bonne pour vous. Hein, bref, on se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements, et notamment Bottle Q à ce foutu Octo King. Et en tout cas, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, et à ciao tout le monde. Salut !